Seigneur Jérémie. Dans ma vie de chaque jour, la victoire et lui appartient. Jésus, dans ma vie de chaque jour, Oh,
invite à chacun pour essayer un peu de nous dire en deux mots, en bref, ce qu'ils savent de la sœur, notre bien-aimée sœur Madou. Ils l'ont connue, comment, qu'est-ce qui leur a marqué dans sa vie, comment elle a impacté peut-être leur vie. Qu'est-ce qu'ils gardent d'elle comme un témoignage poignant, comme peut-être souvenir. Alors, si vous savez, nous allons rapidement, nous avons moins 4 personnes qui vont intervenir. Nous leur demandons vraiment d'être un peu bref pour que nous gagnions du temps. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous voudrions premièrement ici appeler notre bien-aimée Sister Esther, notre sœur. Elle viendra ici pour nous dire ce qu'elle a dans le cœur à propos de la sœur Mado. Sister, en français bien en anglais. Whatever God does, tout ce que Dieu fait, we glorify His name. On le glorifie. I want to tell a little bit story about Mado. Je vais vous donner une petite histoire sur Mado. Mado Okorie-Okotchukwu. Mado Okorie-Okotchukwu. Formerly known as Mado Shombe. Elle était Mado Shombe. She was a sister. Elle était une sœur. She was a friend. Elle était une amie. She was a wife. Elle était une femme. And she was a mother. Et elle était une mère. Before she got married. Avant qu'elle se marie. Anything that is not glorifying God. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Any place that is not glorifying God. Chaque endroit qui ne glorifie pas Dieu. Cut Mado out of it. Elle n'était pas présente. If you are looking for her, si tu la cherches, if she's not in the church, si c'est pas l'église, she's in the house. Elle est à la maison. And even that, she don't have time to watch film or paint. Elle n'avait pas vraiment le temps de se maquiller, venir regarder les films. No. And before she got married, et avant qu'elle se marie, you may have millions of naira here or millions of money or whatever it is. Tu peux avoir beaucoup d'argent, des millions. Mado will be lack of 25 francs. Mado peut manquer même 25 francs. She will never look at her money. Elle ne va jamais regarder tes millions. She always pocketed with what she had. Elle est toujours contente de ce qu'elle a. If she wear baby slippers, même si elle porte des babies, she's pocketed. Elle est contente de ça. She will never look at what her husband is that is going to meet her maker. Je ne savais pas que c'était vraiment le temps qu'elle devait aller voir son créateur. And when it's getting to that time, et quand c'est arrivé à ce moment, every negative part of her died. Toute partie négative d'elle, the positive of Mado came out. La positivité d'elle est sortie. She was so friendly. Elle était vraiment amicale. She was so humility. She was so humble. Elle était humble. And what will I say? Qu'est-ce que je peux dire? That yesterday, even when she wanted to get married, jusqu'au moment où elle voulait se marier, I called her. Je l'avais appelée. With the husband. Avec le mari. And she stood up. She wanted to reply. Et elle s'est levée qu'elle voulait répondre. I told her keep quiet. Elle dit non, tais-toi. And she obeyed. Et elle obéit. She stood up again. Elle s'est levée encore. I said, Mado, sit down. Je lui dis non, Mado, assieds-toi. And she like I knew before. Et est-ce que ça c'est Mado que je connaissais? I never knew this time. Je ne savais pas que c'était le moment. Amen. Mado is a person. Mado est une personne. Though she was wrong. Mais quand tu l'as dit ses erreurs, she will accept it. Elle accepte. She will tell you sorry. Elle te dira pardon. For what I did. De ce que je fais. I don't know it will hurt you. Je ne savais pas que ça allait te faire du mal. And if anybody came. Et si quelqu'un vient. To the house, Mado, à la maison. Mado stole my safra. Et dit que non, Mado volait mon argent. Before she come. Avant même qu'elle. Amen. But when somebody came. Mais si he said he addressed me wrongly. Elle dit que non, Mado m'a parlé. When she comes, she will say, this how it is. I say, shut up, you did it. Quand elle viendra, je lui dis que non, peut-être que tu l'as fait. Because I knew you very well. Parce que je la connaissais. So Mado is a girl, is a mother, is a wife of her own caliber. Mado était mère et une fille de qualité. She's contented with her life. Elle était contente avec ça. Whatever she has, she's contented with. Tout ce qu'elle avait, elle était contente. And you will never know. Et tu ne sauras pas. If she lack. Si elle manque. If she did not lack. Ou bien elle ne manque pas. I don't know what to say. Je ne sais pas comment quoi dire. It is the will of God. C'est la volonté de Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. May the name of the Lord be glorified. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous appelons aussi Papa Mike. Papa Mike est là aussi pour vous parler en quelques minutes simplement.
ce que j'ai passé avec notre sœur Mado. J'étais comme père à Mado. J'étais chaque jour chez lui. Même son mari m'avait demandé, même, il veut me voir chaque jour. J'étais toujours avec le pasteur Khaled. Étant une femme de prière, elle aimait chaque jour, si on arrivait chez elle, on priait le matin, le soir. Je l'ai vécu comme ma fille biologique. Mais quand l'Éternel a décidé de prendre sa fleur, de prendre sa colonne pour mettre dans ce royaume, qui peut résister? Personne. Il a pris à l'Éternel de le prendre. J'étais à l'hôpital pendant, je crois, 10 jours. On était toujours avec son mari. On dormait même sous le ciment. Et on croyait à toutes les prières qu'on faisait. Et à chaque fois, les missionnaires ne nous ont même pas laissés. The mission doesn't leave us. Laissés. On priait de 3 heures. De 0 heures jusqu'à 3 heures. On priait des fois jusqu'à 3. Et on a profité faire des évangélisations à l'hôpital. And we do everything. We cannot do anything. Ce qu'on pouvait dire. And what we have to say. Dans de telles choses, quand ils nous arrivent, in this thing, nous what sommes happened, vivants. Et nous regardons nous-mêmes. And we see what happened. Parce que c'est là quand ça arrive. Dieu est dit, il a fait ces choses God pour que l'homme ne sache pas ce qu'il veut faire. What God will know what. Je vous dis merci. Merci à tout le monde qui nous a assisté. Merci aux missionnaires, surtout Papa Kita. Il ne nous a même pas laissé. On était toujours avec Papa Lokadi, Papa Moma. Dans toute la prière. To stand here. Sœur Mado, c'était ma fille. Mado is my daughter. Je l'ai connue. I know her. Petite. When she was small. Jeune fille. Polie. Obéissante. Very obedient. C'est une fille qui a beaucoup aimé la prière. She is a girl who loved prayers. Elle était une femme pleureuse. Was a woman who cried. C'est-à-dire une femme qui a brisé son cœur, qui brise son cœur par la repentance. The woman who break his heart for même repentance. Même si tu as fait le mal aujourd'hui, il te cause du tort. Evidently, she did not behave. Il ne va pas dormir. Elle ne va pas dormir. Jusqu'à ce qu'elle viendra réparer. She come to repair. Quand Mado était mariée, when she was married, nous étions en Guinée. She was at Guinea. On était rentré à Cotonou. When we came back to Cotonou, j'ai cherché Mado. I looked for her. Je n'avais pas her. Vu. She said yes. Moi, j'ai dit la prière. I said prayer. Il dit, je rappelle Mado, qu'est-ce que tu m'avais dit? When I saw her, I said what? Et à fin de compte, Mado est revenu. Il va t'appeler. She doesn't come. She will call. On s'est justifié. We say why she doesn't j'ai come. J'ai béni Dieu. I bless the Lord. Pour l'âme de Mado. For his. Et là, même son enfant, sa fille a pleuré. She daughter, elle venait avec sa fille. She came with her daughter. À la prière. Mais en ces jours, that day, qu'est-ce que j'ai encore? I don't know how to say again. Ce n'est que béni. You see, people that. Parce que la fille. Because she was my bien daughter. Bien aimé. Beloved. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué parce que le maître est sûr. Je ne sais pas que j'étais programmé pour témoigner. I don't know that I'm programmed to talk. Je vais seulement parler de deux derniers jours que nous avons passé avec Mado ensemble. I will just talk about the two last years that we spent together. Mado et moi, on s'est connus ici à Cotonou. Mado and I, we know each other at Cotonou. Je pense que c'est pas 2004, c'est 2005. No, it is 2004, 2005. Parce que moi j'ai quitté le village si tôt. Because I live village early. C'est en causant avec elle à ma robe militaire que j'ai compris qu'elle est une famille pour moi. When I speaking with her that I know that she is in my family. Et
Alors, en tant que missionnaire, j'ai connu beaucoup de déplacements. As a missionary, I do a lot of work. I move around the world. Bref, on s'est encore retrouvé ici à Cotonou, il passe à partir de 2009. We found each other at a girl to the, in Cotonou in 2009. Mais je m'irai passer parler des derniers mois qu'on a passé ensemble. And I want to talk about the last month that we spent together. Mado, c'est les origines que nous avons ensemble. I used to teach her how to walk together with Jesus. Tout ce que je recevais from her. Juste après son mariage. Just after her marriage. Pour le mariage. Something before her marriage, she told me about that. J'ai appelé Papa Mamba, je l'ai confié ma vie dans la prière. I called Papa Mamba, I told to it that she's my family, she's my sister. Il appelle pour me dire que j'étais dit que je suis malade, aux autres qui peuvent occuper. Two days after, she called me again, said that she was very sick. Il faut que tu m'appelles tous les jours, bien quand j'ai la dernière gangaille, je n'ai pas d'autre personne ici. C'est toi qui es mon grand frère ici, dans le côté spirituel, pour la dernière gangaille. I had to call you every day because you are the one of the members of my family that I had to call. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? I said, what happened? Il dit, viens seulement, mon mari n'est même pas là. On m'a fait les examens, mon mari n'est pas là. He said, just come. My husband is not there. Just come. J'ai pris la sœur Jemima, j'ai pris maman. I took sister Jemima. Sa marraine, nous sommes allés à l'hôpital. We went to hospital. Nous l'avons trouvé, nous avons causé, nous avons prié. That they transfer her to from CNHU. Et le matin, je l'ai rejoint là-bas à l'hôpital. In the morning, I went to the hospital. J'ai trouvé ma douille était sur les soins intensifs. I saw her in it in immediate. J'étais avec Papa Mamba, si je ne me trompe pas. Je voulais entrer, les médecins m'ont interdit. Moi, j'ai dit, je dois entrer parce que d'abord, je suis son grand frère et je suis pasteur. Je dois prier pour elle. I want to enter. The doctor stopped me and I said that I am his grand, I am his brother. Je suis entré, j'ai prié avec elle. And I enter, I pray with her. Dès que je l'ai appelé, quand elle a entendu ma voix, what I see her. J'ai dit, j'ai la foi. I said that they have. Mais je veux préparer aussi son âme. But I will prepare your soul. J'ai fait la prière. I pray. Après, je l'ai fait répéter des prières, des repentances, des repentances, des repentances, en citant les noms des origines, tout I ça. Make tout le prayers and repentance. Après, le médecin est venu me dire que non, ta soeur est sérieusement malade, il faut qu'on l'amène aux soins intensifs. After that, the doctor comes and she's moi, j'ai dit, mais l'urgence, c'est déjà sérieux. Mais soins intensifs encore, a dit, ta soeur ne respire pas bien. We pray, I would hear from 3 a.m. Alors, quand on sortait avec elle de soins intensifs, when coming out, je commençais à parler. C'était la dernière côté, forcément, de prière, de repentance. Est-ce que tu m'écoutes? Just pray, do elle a dit, je m'écoute. Elle a dit, tu m'écoutes. Elle a dit, I ask her if you listen, ne crains rien, fais yes, la prière de repentance. Repends-toi sincèrement. So repent yourself sincerely. Dieu sera de tes côtés. Dieu sera de tes côtés. Et c'est comme ça que nous avons tenté de marcher avec elle sous la chaise roulante pour la conduire dans la salle là où il y avait. And we are walking together. Là où il y a dans la salle de soins intensifs. To enter to the. Le médecin est sorti et m'a expliqué la situation. Il a dit que ça ne va pas, son cœur vraiment, ça ne va pas, il faut qu'on passe les examens. The doctor said that. C'est passé, c'était déjà l'inconscience. And what to do is not. Je suis revenu avec Papa Mwamba. Nous sommes entrés dans les soins intensifs. Nous avons prié avec, j'ai prié avec maman Mwamba la journée, ça n'a pas marché. On est revenu la nuit, ça n'a pas marché. On nous a appelé pour nous dire que Mado est parti. On est entré, nous avons fait des prières, des prières, des prières, des prières pour ramener son âme, mais Dieu a déjà pris son sort, Dieu a imposé sa volonté. God, do His will. Je remercie le Seigneur. I bless the Lord. Parce que je sais bien que je conduis ma sœur près de lui. Because I know that I bring my sister. Je remercie le Seigneur parce que les choses se sont passées pour selon la gloire de Dieu. I bless the Lord, but things is going to. Ce sont les moments que nous tous nous pouvons aspirer. Ça veut dire mourir en train de prier, en train de parler, en train de causer avec Dieu jusqu'à ce que Dieu retire ton âme. What you have to do is when you are dying, how to pray? You are praying with the Lord. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui étaient avec nous à l'hôpital. God bless everyone with us in toute l'équipe missionnaire qui passait de temps en temps là-bas pour prier. God bless all missionaries. Et sincèrement, je dis merci à Papa Mwamba. Merci. Je vais être qu'à toi.
Between lies and parce the truth. On peut avoir choisi de suivre Jésus. So that we can choose to follow Christ. Le chemin faisant. On the way that devant le mal. Before good. On choisit le mal. And choose the bad. Nous sommes chaque jour. We are every day. Devant le choix. Before the choice. De la compromission ou de la vérité. To compromise on or the truth. On peut être un enfant de Dieu qui a confessé Jésus. We might be the child of God that confesses Jesus. Qu'on choisisse la compromission. And we can choose nous sommes chaque jour devant un choix. We are before choice. Le choix entre la corruption et la droiture. We are in between corruption le choix and incorruption. Entre la destruction et la construction. We are between construction and destruction. Le choix entre l'obéissance à Dieu et la désobéissance à Dieu. Between obedience and disobedience. Nous sommes devant ce choix là. We are always before c'est this choice. C'est un combat de chaque jour. Is a battle of every day. Que nous menons. That we are. Et Paul sait, and Paul knows que tout enfant de Dieu, that every child of God, est dans un combat. Is always in a battle. Un combat qu'il amène. The battle that we shake. Jusqu'au dernier jour de sa vie sur la terre. To the day and the end of the day on this earth. Nous sommes en train de passer ces moments extraordinaires. The moment that we are passing is où an extraordinary les time. Les enfants de Dieu sont devenus froids. Thank you.
yako kanina yo mokote yako kanina yo Nous te glorifions, car tu es Dieu. Ce matin, Seigneur, avec le cœur brisé, nous te bénissons et nous t'élévons. Toi seul, tu es le consolateur. Nous prions ce matin que tu répands ta consolation dans nos cœurs. Nous voulons recommander notre chemin entre tes mains, en quittant ces lieux jusqu'au cimetière. Que ta paix soit au milieu de nous. Sur notre chemin, nous implorons ta protection. Yeah.
Quand il veut, comme il veut, à n'importe quelle condition, nous ne pouvons que lui rendre des actions de grâce pour lui dire merci. Merci pour avoir permis que nous connaissions notre sœur Mado. Nous avons vécu avec elle peu de temps, selon nous les hommes, et selon le temps que Dieu lui avait imparti dans ce monde. À présent que nous en attendant l'avènement de la résurrection où nous allons tous
à la rencontre de notre Seigneur, nous avons accepté dans notre peut-être une pause et de se poser la question si ce jour m'arrive, où irai-je? De quel côté passerai-je? Suis-je en bon terme avec mon Créateur? Il faut que désormais la vague qui symbolisait cette lien et ce lien ou cette relation soit aussi enlevée. Voilà pourquoi nous allons demander à notre frère ce que nous voulions faire, c'est biblique. Alors il faudra qu'il l'accepte. Sinon, il sera toujours. Il va se charger d'une malédiction. Charge. Alors c'est pourquoi il faudra que nous le fassions. Nous n'avons pas beaucoup de temps à faire ici. On a déjà fait ce qu'il faut. On n'a pas. Je crois que vous avez compris. Oui, avec l'autorité que l'Église me confère, ce lien qui liait notre frère avec la sœur Ado, tant que la sœur vivait, à partir du moment que la sœur est partie, s'en va, ce lien n'existe plus. Alors, tel que j'enlève la bague, je me fais à cette relation, à ce lien. À partir de ce moment, nous libérons le frère de la sœur. Donc, il n'y a plus rien qui le lie. Que ce soit spirituellement, physiquement, il n'y a rien qui le lie encore. Alors, nous allons prier. Éternel notre Dieu, toi qui as dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair, que nous venons maintenant d'enlever, ça a symbolisé la promesse que l'un avait faite sur l'autre de rester fidèle jusqu'à la mort. Voilà que la mort est venue les séparer. Cette alliance n'a plus sa raison d'être. Cette bague qui, en la regardant, rappelait cette alliance, nous détruisons tout ce qui pouvait être lié à cette bague, que ce soit spirituel et physique. Nous déclarons qu'il n'y a plus rien comme alliance, rien comme relation qui lie notre sœur qui s'en va et le frère qui est resté. Il est libre à partir de maintenant, comme il a la grâce encore devant toi de vivre, il peut se remarier avec qui il veut, quand il veut, mais pour nous, nous mettons fin à ceci au nom de Jésus. Nous plongeons cette bague dans la main.
allons prier maintenant pour ce caveau, cette terre qui est préparée pour recevoir le corps de notre sœur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est à toi qu'appartient le ciel et la terre. Nous a tiré de la nom de Jésus. Amen. 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 On va. Ok, un peu de silence. Garçon misato, madonde mwana suka, na bana basi. Après madonde maman yoko bota ka mwana moko ya mwana. Papa la biso, abota biso bana 20. Madonde 9e à fois. 19e à fois, Mado. 19e à fois, Mado. Biso nyo soto zana fondi. Mwana moko ya kufili biso, kaka Mado. Mama chako waza tata mwasi na biso. Leke ya papa na biso. Yena mamumba. Bangone bazaki bana suka na limuwa papa na biso. Papa na biso kombo na e. Tete Ngomba Ngeles. Chef de groupement Tete Ngomba. Ndi papa na biso kombo na e ya mwana. Mama na biso kombo na e. Mama Dia Kitombolo. Yepe aza mwana chef de groupement. Yoso, nalingaki na lupa ya mwana. I want to say something about my love. Even if she said that she knows I love her so much. No matter anything that's happened, I had everything. I married her, I see everyone on her place. The very first day, even my senior brother see her, I say, this is my wife. Since that day we married, even up to today, we don't have any problem. I want to tell her something. She knows that my hand is clear of her. If it is what money can solve, we would have solved our life. If it is what prayer can solve, prayer people would have solved our life. So que zalaki mbongo pona ko sauver Mado de sauvakiye. So que zalaki prier pour sauver Mado de sauvakiye. We married after 5 days. My wife became sick. To balani kaka lelo après 5 jours. Even to the extent, the very Monday that she went to the hospital, she gave me her picture. I went to the church for prayer. Après hôpital, mon nom n'a qu'une église n'a qu'une rosambe. My dear, my hand is clean. Ma chérie, ma boucle n'a pas pété et pas n'a. You are forever in my heart. Osa est libéré na katina. My hand is off of you. I never ever in my life think any negative thing about you, and you know that. I lead down to talk to you, even though in my very first room. Oh, Jesus.
Even in my very first room, whenever I want to talk to you, I lead down. The way I look, not even anybody around. Nobody used to be when I lead down and talk to you. That is why I lead down before you, even in you. I try all possible means, even to thank you for your surgery. My happiness, I know you are a worthy woman. You pray. I have confidence in you because you are in heaven. I see every woman around, but I pick you as a woman. Because I know you are different. For you, you are different. I never ever think, even in the next 40 years to come, that you will leave me like this. I give you a ring in the church. That ring did not even reach my destination. I leave it here again for you. Once we people ask me about my wedding ring, my dear. May your soul rest in peace. You are forever in my heart. I will never forget you. Amen. Amen. Okay. Amen. Thank you.